Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau pour le dernier Servet Chaud de la semaine. Vous le verrez dans un instant, la météo du week-end n'est pas très folichonne. Nous en profiterons donc pour vous proposer la suite de notre série consacrée au musée, des lieux que l'on peut visiter quand il ne fait pas très beau à l'extérieur. Aujourd'hui, ce sera le musée du fer de Jarville, près de Nancy, que Frédéric Chignac nous fera visiter. Actualité à la mi-journée, cartes au jeu sont également au menu de cette émission, qui accueille aujourd'hui ni chanteur ni chanteuse, mais une artiste, musicienne, poète, Violaine Vanoyek. Bonjour. Bonjour Violaine. Bonjour Patrick. Bonjour à tous les deux. Vous allez bien, Violaine? Ah, je vais très bien. Oui. Vous savez que Violaine, nous l'avions reçue il y a quelques mois dans une des émissions de variété que je faisais à l'époque. Vous présentiez un bouquin, un roman. Claire de Symphonie. Voilà, Claire de Symphonie, qui était un très très beau roman. Et là, vous êtes revenue aujourd'hui pour nous présenter un album et vous deviez être accompagnée de Dominique Paturel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'a pas pu venir aujourd'hui? Ben, il n'a pas pu venir parce qu'il y a des grèves actuellement et qu'il a pris du retard dans le tournage de ses Dallas, puisque vous savez qu'il double JR dans Dallas. Et JR n'attend pas en plus. Ben, écoutez, vous êtes là, c'est l'essentiel. On va, j'espère, passer une agréable émission en votre compagnie. On va présenter tout à l'heure l'album. Ce sont des poèmes que vous allez C'est un long poème, qui s'appelle « Cœur chromatique ». On a l'émission jusqu'à 5h. Oui, je pense qu'on peut même tenir la soirée. Non, c'est un long poème, « Cœur chromatique », qui se présente sous forme de dialogue, en fait, avec Dominique Paturel. On aura le plaisir d'entendre sa voix. On n'aura pas le plaisir d'entendre sa voix parce que j'ai choisi deux extraits où j'intervenais. Ben vous avez raison. J'intervenais seule. Ben vous avez tout à fait raison parce qu'après tout, Les absents ont toujours tort. Absolument. Voilà. Alors, tout à l'heure, donc, vous nous raconterez un petit peu tout ce que vous faites parce que je sais également que vous êtes réalisatrice d'émissions de radio. Mm-hmm. Donc, on fera un petit peu le tour de votre carrière. Si vous voulez. On fera un petit peu mieux connaissance avec vous. Pour l'instant, vous allez voir, il va faire très froid. Il va même neiger. Il y aura même du soleil en même temps. Enfin, vous allez voir, c'est superbe. Il n'y aura pas de neige, hélas, pour ceux qui voudraient faire un petit peu de ski ce week-end. Mais on voit tout de suite les prévisions de la météo pour cet après-midi et pour le week-end qui vient. En 68, c'était il y a 20 ans tout juste. C'est la page rétro de Servet Chaud. Carte au jeu, dernier jour de la semaine en ce qui concerne la personne que vous aimez, votre anniversaire le 15 janvier, donc aujourd'hui. Vous voyez, celui du joyeux anniversaire. Denis. Ah ben voilà Denis, comment Bonjour. Ça va? Ah, voyez, je le savais. Ah. Écoutez bien, on va jouer pour deux cartes. Quel sens donne-t-on à la jonquille dans le langage des fleurs, à votre avis? La fidélité, la mélancolie ou l'aspiration, à votre avis? L'aspiration. L'aspiration, vous êtes sûr? Oui. Ben écoutez, continuez à vendre des petits pois, parce que c'est pas ça, c'est la mélancolie. La fidélité est symbolisée par la Véronique et l'aspiration par la pâquerette. Ah, ben voilà, vous en apprenez des choses quand même. N'est-ce pas? Un jeu de cartes pour vous. Oui. Au revoir, Denis. Au revoir. Et bonne journée. Merci. Et bon week-end. Merci. Et bonnes vacances. Au revoir. Bonjour. Bonjour Patrick. Votre prénom? Écoutez, à l'occasion, je serai dans un des... Eh ben voilà, c'est noté. On va jouer si vous voulez bien. Oui.
Le 4. Le 4, c'est un roi de trèfle. Je vous propose un joker quand même. Oui, un joker. Oui, la couleur Bleu. Le bleu. Oh, vous avez raison, c'est les plus durs, hein. Oui. Alors, quelle est la nationalité du premier bébé éprouvette né le 25 juillet 1979? Sa nationalité? Française. Française? Oui. C'était anglaise. Ah. Eh oui. Okay. Vous allez recevoir un jeu de 32 cartes pour oui. vous. Oui. Ben, ça fera le troisième. Eh ben, ça fera le troisième. Oui. Ben, vous allez ouvrir un magasin de cartes après. Non, je les donnerai aux enfants. Ben, vous avez raison. Vous embrasse et merci encore. D'accord. Au revoir, Patrick. Au revoir. Voilà, des gens qui collectionnent les jeux de cartes, c'est bien. Merci, Patrick. À tout à l'heure. 12h.